Ah, si c'était bien engagé, c'est dommage. Oui, ça continue, il centre le but, c'est but de Lacombe. Ça y est, c'est le premier but par la gauche de Lacombe. Le but de Lacombe. Enfin, je crois que ça fait plaisir à tout le football français, en particulier à tous les professionnels qui apprécient les qualités de footballeur et les qualités humaines de Bernard Lacombe. Il a vaincu le signe indien. Nous revoyons ce deuxième but français après maintenant une demi-heure de jeu. Le beau travail de Bessis, le centre de Six et la tête de Lacombe au deuxième poteau. Et la France mène par 2-0, but de Rochot et but de Lacombe, alors que Pierre Babel nous montre une deuxième fois ce deuxième but français. Alors là, je crois que les tricolores ne sont vraiment pas loin de l'Espagne. Sans doute, alors qu'il y avait Rochot au premier poteau pour une fois. Ben pour l'instant, chiffre fait aussi bien que les Pays-Bas. Rochot du bout du pied, encore une fois, ça fait le signe à Moche, c'est le deuxième but de Marseille. Ça y est, le premier de l'équipe de France. Enfin, il a commis une erreur énorme. Il y a nous. On l'a eu. Enfin, ils l'ont eu. Ça a été dur. On a souffert. Bravo. Voilà, ça fait vraiment très plaisir que ça termine comme ça. Et c'est pas tout à fait fini d'ailleurs. Par ce but, ce troisième but. Avec d'abord ce tir de Rochot repoussé par le gardien Filianou qui tourne le dos au ballon, récupéré par Lacombe et qui exploite parfaitement un tout petit angle. Ah, oui. C'était vraiment très difficile pour lui de marquer. On le revoit une deuxième fois avec une autre caméra. Rochot donc qui pousse parfaitement le ballon. Filianou était bien sorti. Il a le dos au ballon maintenant, il ne voit pas Lacombe qui le passe. Et dans un angle très difficile, marque le troisième but, j'allais dire troisième.